Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc on se retrouve dans les histoires bizarres du professeur Darby dans un autre épisode. Donc j'ai vraiment hâte de voir celui-ci. Je suis vraiment désolé si j'ai pas pu poster avant le plus tôt possible. Ces derniers temps c'est assez difficile. Mais comme j'allais dire, j'ai hâte de voir cet épisode qui se porte sur Karim. Donc on commence tout de suite et c'est parti. Donc on commence avec Benjamin qui mange à la cafétéria, ok. Ce genre de cliché qu'on voit encore dans les émissions, là où on voit la belle fille qui avance, puis là tous les gars le regardent. Bonjour, Karine. La regarde, pardon. Aïe aïe, Karine, moi quand je te vois, là, j'ai le poil de bras qui lève. Et toi, tu sors cette fleur de rose d'un seul coup. Une belle là maintenant, ils se battent pour elle. Avec un gars comme toi qui sent le petit chien mouillé. Toi, pis toi, t'es-tu regardé? T'es blanc comme un fromage, pis ton lait, j'ai tout froissé comme si t'avais passé la nuit dans un cercueil. Hey, une minute, là. Mais moi, au moins, j'en porte du linge. Ah! J'essaie de prendre aucun de ces deux-là. C'est tellement immature! Oh, je pense que je vais aller au bal avec ni l'un, ni l'autre. Oh! C'est quoi ton nom, toi? Benjamin. Ben tiens, je vais y aller avec Benjamin. Sérieux? Toulou. Lui, il dit comme what the fuck. Je sais pas t'es qui, toi, mais je peux te garantir qu'avec ce que tu viens de me faire, j'ai une tête. Ah, c'est vraiment. On voit ce genre de choses vraiment que dans les films. Genre dans la réalité, là, ça, là, tu vas pas le voir. Ben, j'ai pas que des gars pourraient pas se battre pour une fille, mais comme. Comme ça, là, non. Belle fille de l'école, elle est 2 ans plus vieille que toi et elle t'a demandé de l'accompagner. En plus, elle est 2 ans plus vieille que elle, que lui. C'est bizarre, hein? Je savais pas que j'avais autant de charme. Non, c'est pas pour ça que elle a décidé de t'inviter. Puis elle avait l'air vraiment colère contre moi. Deux gars bizarres. Jacob mange 3 steaks par jour, puis quand il est fâché, ses yeux deviennent jaunes. Bizarre, en effet, bizarre. À mon avis, ces deux-là, c'est des monstres. C'est quoi ce parfum-là? Recette secrète. J'ai un mauvais pressentiment pour ce parfum. Rapparaît que ça s'en va pas sentir bon. Oh! Oh! Confiance, ça sera une soirée. Yeah! C'est dégueulasse! Oh! Que... Alors, est-ce que Benjamin t'a raconté les aventures extraordinaires? Oh non, non, non. Non, non! Non, non, non! Histoire de téléphone hanté et libérer un village. Mais qu'est-ce qu'il fait? Attaque cosmique. Déjà là, je pensais même pas que c'est lui le chauffeur. C'est beau, professeur, c'est beau. Ok. Ouf, c'est quoi ce parfum-là? Je disais que ça allait puer en plus. Bref, de toute façon, pour de vrai, on voit tout de suite que la fille est superficielle. Genre, ça se voit. Mais je dois l'admettre que... Pourquoi il a mis un parfum qui pue la merde? Je pense que c'est le professeur Darby qui lui a mis, là. Ne t'inquiète pas, c'est pour mes recherches sur les comportements très beaux des adolescents du 21e siècle. Je serai discret comme un spectre. Quoi, va la porter? Oh mon dieu, c'est honte pour de vrai. Oh, wow. Est-ce que je peux t'offrir un verre de punch? Ben oui, c'est évident. Fais ça vite. Ah oui, 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 oui. Ouais, comme je le disais, elle est un peu... Elle est pas juste superficielle, elle est un peu snob. Julie a une robe presque aussi belle que la mienne. Je vais aller y renverser un peu de punch dessus puis je reviens. Yo, elle est méchante! Bon, je m'en disais déjà qu'elle était méchante, mais quand même. Oh mon dieu. Oh, aucune idée. Je connais pas, j'ai jamais. Pourquoi? Il dit qu'il est venu pour faire des recherches, mais il danse. En plus, il danse tellement mal. Tu vas sûrement t'en rappeler toute ta vie. Hey! Ils sont vraiment pas gentils, hein? Tout ça juste pour cette fille. Aïe, c'est quoi cette danse-là? Ouais! La célèbre danse des sorciers zoulous du Malawi. Hé! C'est quoi ça? Mais là maintenant, les deux dansent! Oh my god! Pas besoin de laver ta chemise, il va y avoir encore plus de rouge dessus bientôt. Comment ça? Mais... Ah! C'est un vampire. Surprise, je suis un vampire, tu l'as jure.
Avec toutes les descriptions qu'ils nous ont données dès le début, je pense que ça devient évident là. J'ai bien de la misère avec mes maths. Tu sais, si tu me tues pas, je peux peut-être t'aider avec tes maths. Sérieusement? Il y a 400 ans pis il y a encore un secondaire 5, c'est quoi cette joke? Ça, c'est le parfum du professeur Zarbi. C'est bien qu'il lui a mis finalement. What the? Ok, lui, c'est garanti que c'est un loup. C'est un loup. Mais il fallait vraiment qu'il fasse comme un chien, genre. Comme il doit pisser sur le truc. Je sais pas si c'est son zipper vers l'avant qui est, genre, ouvert puis qu'il pisse. Ou s'il pisse, genre, comme. Sans ouvrir le zipper puis que ça tombe comme ça. Bref, c'est un peu bizarre comme question, mais comme... Oh my god! C'est tellement bizarre! Je vois qu'Edouard a pas fini la job. Ah, tiens, Jacob! Tu pourrais rentrer, là, tu vas prendre froid. Le fond de l'air est frais, non? Là, je pense que c'est même pas la belle mère en plus. Oh. C'est super dangereux pour les voleurs de blonde de sortir toute seule le soir à la pleine lune. Ben, je pense que s'il avait été avec aussi Karine, ça aurait pas été plus rassurant, hein. Oh! Oh! Donc, c'est lui... C'est là qu'on voit le générique! C'est de là qu'on le voit! Ok! Ça va, Benjamin? T'es qui la baballe? T'es qui la baballe? Allez, mon gros, va chercher la baballe! Yaaak! L'occuper à maman. Allez, rentrons. Oh, je suis pas sûr que je vais retourner là. Voyons, Benjamin, tu peux pas laisser tomber ta cavalière. Oh. Une fille aussi charmante. Mais t'étais passé où? Sur une pointe des volets. Ouais, charmante, mon œil, ouais. Un moment d'attention. Mais en même temps, c'est vrai que quand t'es avec quelqu'un puis que tu es pas là pendant un bon moment, la laisser là tout seul, je peux comprendre. Mais maman, ça, son attitude est pas... générosité. Notre choix s'est donc porté sur une fille hyper généreuse qui a visité... Donc la beauté, la générosité et la gentillesse. Voici votre reine et votre roi, Karine. C'est qui? Et... Non. C'est pas... Tout ce qu'ils ont dit, c'est tellement pas ça pour elle, en tout cas. Qu'est-ce qu'on a à faire pour de vrai être la reine ou le roi du bal? Pour moi, tout d'abord, je voudrais remercier ma coiffeuse, mon esthéticienne, les gens de chez Diva Ongles qui m'ont fait des super beaux ongles. Julie, t'es ma baisse. Toute l'équipe de chez Cils Expert, les filles sont super fines. La pharmacie Jean Leboeuf qui m'a commandé avec 500 $ de maquillage, puis pas du cheap. Princesse Dépôt qui m'a fourni la robe. Puis toi, tu veux dire quelque chose? Merci à tous ceux qui ont voté pour nous deux. Moi, j'ai d'autres gens à remercier. Oh! Ah! Bon, moi, c'est pas Benjamin qui va recevoir ça. Et maintenant que j'y pense, ça serait pas comme dans le film Carrie, ça? Ouais! Ouais, c'est exactement comme dans le film Carrie! Bon, pas exactement, mais comme vous avez compris, là. Oh, je le sens pas pour eux. Elle va-tu faire comme dans le film? Ouais! Ouais! Elle va utiliser la télékinésie! Oh my god! D'ailleurs, en passant, moi, je l'ai pas vu le film. Hein. Mais je sais que... après ça, là... Ouh! Ça se passe mal pour elle. Ben, pour les autres, surtout. On voulait pas que ça tombe sur toi. C'est une erreur. Mais même avec ta robe toute scrapée pis plein de peinture d'en face, là, tu restes plus... Oh! C'est de la peinture! Bon, c'est pas mieux! Nécessairement, mais dans le film, c'est pire, c'était du sang de cochon. Oh. Si j'étais eux, moi, je pense que je m'enfuirais. Quelle charmante soirée. Un bal de finissant presque aussi mémorable que le mien. À l'époque, on avait évité... Comment ça, mémorable, charmant?
On avait bien rigolé. Que de souvenirs. Ah, ben ça, c'est pire, là. Regardez les cols en feu. Ok, donc cet épisode est assez différent des autres. Genre, normalement, on voit toujours le professeur Zarbi avec Benjamin. Ben, on les voit toujours affronter un problème, puis ils essaient toujours de régler le problème avec, genre, en trouvant une solution. Mais là, cette fois, c'est assez différent parce que j'ai remarqué que cette fois, les personnages, ils ont essayé plutôt de contourner le problème. Donc, au lieu d'affronter le problème, ils ont contourné. Je vous donne un exemple. Par exemple, le vampire. Genre avec Benjamin, genre au lieu d'essayer de faire en sorte qu'il ne soit plus là comme les autres monstres, ben genre le parfum qu'il avait mis, ça l'a évité de se faire tuer. Il y avait aussi le moment avec le loup-garou, avec le sifflet, bref, au lieu de capturer le loup, ben il a juste évité en sifflant pour l'empêcher de tuer Benjamin. Puis il a lancé une balle comme si c'était un chien. Et c'est ça qui a permis d'éviter encore la mort pour Benjamin. Et à la fin, c'est avec Karine. Quand elle allait commencer à étudier la télékinésie, ben, le professeur Zarbi a su qu'est-ce qui allait se passer. Il a su qu'est-ce qui allait se passer parce qu'il sentait la tension télékinésique, comme il le disait. Puis, ils ont décidé de partir tout de suite. Puis, ça a foutu le bordel dans l'école. Mais ils n'ont absolument rien fait pour empêcher tout ça. Bref, j'ai vraiment apprécié quand même l'épisode. C'est justement ça que j'ai apprécié parce que c'était assez différent des autres épisodes. J'ai apprécié aussi parce que c'était quand même assez original. Les idées pour l'épisode. Comment les choses se sont déroulées. Puis, c'est ça. Puis, assez drôle aussi. Donc, on va s'arrêter là pour l'instant. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, à commenter et à vous abonner pour être toujours au courant des nouvelles vidéos qui sortent. N'oubliez pas la clochette parce que sinon, vous n'allez pas être au courant quand les vidéos vont sortir. Puis, je vous dis au revoir et au prochain épisode.